Le grand studio RTL. Éric Jean-Jean. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un petit peu plus tard dans l'émission celle qui vient de nous offrir un troisième album. Elle s'appelle Nash. Anna Chédid, d'applaudissements, s'il vous plaît. Et puis, question d'âge, j'ai l'impression d'avoir grandi à côté de lui, d'avoir commencé mon métier en même temps que lui. Et on s'est souvent croisés, c'est un être humain extraordinaire. C'est un artiste formidable, il est avec nous avec un nouvel album qui est arrivé. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas fait d'album. Mesdames, messieurs, les applaudissements pour MC Solar, c'est son émission. À la basse, Emeline. Dans les cœurs, c'est Linda. Tom DJ et Bambi Cruz. MC Solar est dans le grand studio RTL. Quelle joie de vous retrouver tous. Bonjour cher Claude, comment ça va? Ça va super bien. Je suis ravi de te voir sur scène, je suis ravi de t'entendre sur scène, sur la scène du grand studio RTL, après t'avoir vu sur la scène de l'Olympia. Petit débrief rapide, c'était comment ces deux Olympias? C'était un bonheur, c'était un retour, c'était une sorte de boomerang qui revient. Mais il revient en voyant des gens qui sont toujours là et qui chantent avec nous. Donc ça nous a fait un très 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 grand plaisir de voir le public parisien, mais aussi celui du reste de la France. Ah bah oui, et je confirme, 17 avril Biarritz, 15 mai Poitiers, Rennes, Luxembourg, Arène de Nîmes le 15 juin. Il y a Bayonne, ça va être sympa le 21 juillet parce que I am with MC Solar aux arènes de Bayonne. Oh là là, on va. C'est pas la classe, ça? Ça va être la classe. Ah bah oui, j'ai bien compris. Cannes, Mérignac, Roubaix, Grenoble. Et puis, pour les Parisiens, 21, 22, 23, 24 novembre, à la salle Pleyel, on y va pour une petite résidence. Ça va être une belle année musicale. Bon. Alors, ça va être une belle année musicale, d'autant plus que, en fait, tu arrives avec Lueur Céleste, c'est la première étape d'un triptyque. Donc, il y aura trois albums qui vont sortir dans l'année. Là, c'est un 7 titres qui est sorti, donc c'est un mini-album. Hein. Ouais. C'est quoi l'idée, en fait, de base? L'idée, c'était qu'il y avait une forte créativité. On a fait plein de morceaux, et puis en même temps, nous sommes en tournée, et donc on va faire des cycles, un peu comme des cycles de saison. Là, il y a les Lueurs Célestes, qui sont l'introduction au triptyque, trois parties. Ensuite, dans quelques mois, il y aura le 2, puis le 3. Bon, c'est un chiffre symboliquement, c'est souvent 1, 2, 3, les trois petits cochons. et ça va accompagner en fait au fond, finalement, toute cette tournée qui nous amène jusqu'à la fin de l'année, peut-être, ou alors ça continue peut-être aussi. Ouais, il y a deux peut-être, mais au moins jusqu'à la fin de l'année. Ce nouvel album de 7 titres, Il danse, Modernidad, c'était quoi le fil conducteur d'ailleurs, puisque les deux clips, on peut les voir, ils s'enchaînent. Hein. C'était quoi le fil conducteur? C'était faire danser, c'était revenir en joie. Oui, il y avait cette idée de revenir en joie. Je me suis rendu compte qu'il y avait des correspondances entre les différentes histoires, c'est-à-dire la danse qui est libératrice pour la personne qui est unijambiste et qui a vraiment, que j'ai vraiment vu ça. Il y a un garçon dans le clip vidéo qui a des béquilles, qui n'a pas l'usage de ses jambes et qui fait des figures absolument incroyables. Je vous recommande de regarder ce clip vidéo. Ouais. Et puis la danse comme liberté, quoi. Quelqu'un qui a le potentiel, qui pourrait être avec les stars, qui pourrait danser avec les stars et qui danse avec les stores fermés. Et puis, il y a la modernida où on a eu envie, mais très spontanément, d'aller vers des sonorités latino. Je travaille avec des musiciens, on met nos cerveaux en réseau, et puis quand on a une idée, on y va. Alors ça mixe le groove d'un côté, et puis le bonheur des musiques latines. Comment ça se passe le travail quand tu fais un album MC Solar? C'est d'abord tu fabriques les musiques avec les copains et ensuite tu t'isoles dans ton coin pour très vite cracher, on va y revenir là-dessus parce que j'ai appris ça avec toi tout à l'heure, pour très vite cracher les textes. D'abord les musiques avec les copains. On essaye de faire, si le plus possible, tout ça dans une même, c'est-à-dire la musique avec les copains, mais dans un moment très spécifique, c'est-à-dire pendant qu'on est en studio, on élabore, et puis ensuite, on essaye d'enregistrer dans la foulée. Ça donne quoi? Ça donne qu'on a une, en tout cas pour ma part, une forte concentration. Ouais. Et puis on est focus sur quelque chose. Évidemment, après, on va travailler, mixer, arranger, mais prendre le moment présent des trois énergies qu'il y a, c'est fantastique. Mais y compris pour le texte.
Y compris pour le texte. Ils sont tellement sophistiqués, les textes. C'est pour ça que je te pose la question. Mais en forgeant, on devient forgeron. Alors, j'ai eu une espèce de routine et de, quelquefois, de facilité. Quand la musique est bonne, comme dirait Jean-Jacques, on peut sortir avec 90% de quelque chose de fini. C'est marrant ce que tu viens de dire, et je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que tu as eu ton école de l'écriture, tu as eu un moment où tu as vraiment appris à écrire. C'est à quel moment, ça, Claude? Parce que tu es un bébé quand tu arrives avec Bouche de là. Ouais, c'est vrai. Alors au départ, t'es un bébé, t'as 20 piges, quoi, même pas. Ouais. Au départ, je crois qu'il y avait l'arsenal scolaire. Ça nous a appris la rime, la versification, les mustiches, les silences. Et puis après, il y avait des gens qui faisaient du ragamuffin ou des gens que j'ai croisés qui m'ont appris certaines dextérités. Par exemple, dans le ragamuffin, il y a des gens qui parlent très vite. Et je traînais beaucoup avec des gens comme ça. Ouais. Et en parlant un jour avec quelqu'un, il m'a dit que il faut que ce soit rythmé, c'est-à-dire que hop, on commence, on peut accélérer, mais à l'écriture, hein, c'est pas plat. L'essentiel est que ça ne soit pas plat. Je suis super d'accord. Et ça parle de ton flow, c'est-à-dire ton rythme de parole. Mais on peut pas occulter la poésie. Oui, alors la poésie, d'où est-ce qu'elle me vient? Bon, certainement, il doit y avoir une grande force, une grande part scolaire. Et puis, il y a ce truc-là, pardon, je te coupe, mais il y a, tu sais, c'est Alain Souchon qui, d'ailleurs, à cette même place, disait « Moi, j'ai besoin d'avoir le nez en l'air pendant très longtemps. Mm-hmm. » Et puis, à un moment, quand j'ai respiré l'air du temps ou que j'ai emmagasiné plein d'idées ou plein de phrases sans m'en rendre compte, il faut qu'elles sortent. Est-ce que c'est comme ça chez toi aussi? Oui, il y a ça. Quand on est au studio, effectivement, on le fait assez rapidement, mais il y a cette période où on va chercher le fil, et puis à un moment donné, c'est bon, ça fait cerveau, stylo, et on est parti. Dans ce cas-là, je peux le dire, je suis un Français de Souchon. On va rester là-dessus. L'incroyable MC Solar est avec nous. On va en parler quand il sera là tout à l'heure, mais moi je suis très heureux de retrouver aussi ton copain Bambi Cruz, parce qu'il y a quelque chose qui caractérise aussi MC Solar, c'est la fidélité des potes. Vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge? On s'est rencontrés à l'école, on devait avoir 8 ans, 9 ans, oui. Mais t'as jamais rien fait sans lui? Je veux dire, sur les scènes, etc. On s'est baladé, on a fait un espèce de crew, et puis... je crois qu'à toutes les étapes, donc adolescence jusqu'à aujourd'hui, on est toujours, si possible, à moins de 30 kilomètres, quoi. Et tu me disais, ça rigole beaucoup. Ouais. C'est le concept. Ouais, le concept. Bon, c'est surtout jamais s'ennuyer, rigoler, mais il y a quelque chose qui aide. C'est là aujourd'hui, je peux le voir, c'est que la musique, c'est de la thérapie. À un moment donné, quand on chante quelque part, et c'est ce qu'on est en train de vivre ces temps-ci, quand on chante, c'est bon pour les 4 jours suivants. Et donc, je crois qu'il faut chanter tous les matins, sous la douche ou n'importe où, mais il y a quelque chose de positif, et surtout quand on est une bande. Anna Chédid, Nash, Le Temps de Vivre, c'est le 3e extrait de ce nouvel album qui s'appelle Peau Neuve. Un album d'ailleurs qui a une particularité commune avec celui de Claude, c'est qu'il a été fait un peu en nomade. Mais alors, en ce qui te concerne, c'est... Peau Neuve, je veux dire, c'est assez bien trouvé. Non, on va raconter l'histoire parce qu'elle est un peu dingue. C'est quoi? C'est un peu avant, autour du confinement. Tout te pète à la gueule. Ouais, une séparation, un Maison déménagement, 10, l'arrêt de tourneur. Ma tournée, tout s'arrête d'un coup, comme ça. Et je me suis dit, il faut que je réinvente une vie, quoi. Il faut que je réécrive tout. Donc, je suis partie pendant 6 mois voyager toute seule avec un clavier, un micro, un ordi. J'ai fait des chansons et ces chansons m'ont redonné une voix. Et t'es partie dans l'Atlas, c'est vrai? Ouais, je suis partie dans le désert. Ouais, je suis partie au Maroc. Je suis partie des mois, hein, vraiment isolée. Et j'ai fait un hammam. Et en arrivant dans ce hammam avec cette femme qui me jetait comme ça des seaux d'eau, qui me laver le corps, je voyais mes peaux mortes comme ça partir dans le flot de l'eau. Je me suis dit, mais c'est ça que je fais là. Je fais Peau Neuve. Faut que ça parle de ça, mon album de mu. Il y a pas que ça. Il y a aussi la musique qui change. Il y a les mots. Il y a tes mots. Il y a la poésie très inspirée évidemment de, je suppose, ta grand-mère. Hein. Mais toute la famille est très inspirée par cette grand-mère. Mais il y a aussi cette musique. La production a vraiment changé. C'est l'impression que j'ai eue en écoutant pour la première fois ton album. Est-ce que je me trompe? Bah oui, parce que c'est pour la première fois, c'est moi qui ai réalisé le disque. Donc en fait, je me suis vraiment fait confiance à tous les niveaux avec Peau Neuve. J'ai vraiment tout fait. J'ai monté mon label. J'ai écrit mes arrangements. J'ai réalisé mon album. J'ai carrément participé au mix, au mastering aussi. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Les clips.
tout. Donc en fait, ça me ressemble comme jamais. En fait, ça m'a permis de renaître, mais encore plus fort, avec encore plus de confiance et plus d'audace quelque part. Il y a un truc qui est très impressionnant avec la famille Chédid. D'abord, c'est que vous avez tous un talent fou, mais sans doute c'est peut-être toi la plus virtuose de la famille. Tous, vous êtes hyper forts. Mathieu, c'est, tu le dis, c'est Superman, et c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est Superman. C'est mon Superman. Vous le voyez avec des guitares, vous le voyez faire, etc. Louis, c'est une espèce de métronome qui écrit les chansons comme ça, avec des géographies, etc. Ton petit frère Selim, il fait des trucs absolument incroyables. C'est le fou, mais le fou brillant. Toi, j'ai l'impression que c'est toi qui as la plus grande voix, c'est toi qui as la plus grande sens mélodique, peut-être aussi le maniement de ce clavier, de ce piano que tu joues. Est-ce que au fond, ça n'a pas été d'avoir autant de fond classique, ça n'a pas été presque quelque chose qui t'a empêché d'avancer quelque temps? Je sais pas. Pardon, je dis. Peut-être, c'est possible, hein, c'est complètement possible. Je trouve que t'as une voix absolument incroyable qui aurait pu faire des tonnes de trucs et que parfois, justement. En fait, ouais, j'ai commencé par le lyrique, donc j'ai vraiment fait de l'opéra, hein. Et j'ai commencé comme ça, et ma prof de chant, elle me disait, faut absolument que je fasse de l'opéra, et je lui disais, ouais, mais j'aimerais bien écrire des chansons. Elle me disait, c'est terrible. C'est comme si je lui disais que elle disait, mais tu vas pas gâcher ça, tu vas pas faire de la variété, alors que tu pourrais chanter de l'opéra, c'est incroyable et tout ça. Et je lui dis, mais non, mais j'ai besoin d'écrire mes mots, j'ai besoin de ça et tout. Donc je sais pas, ouais, peut-être que... En tout cas, cette voix, elle change, elle évolue. La voix, c'est le reflet de l'âme, et puis elle évolue en fonction des albums, de la vie qu'on vit, des instants. Donc, je pense que voilà, elle nous suit, quoi. Ouais. Non, mais moi, j'ai toujours été, enfin, pardon, j'ai l'air d'être lourd, mais j'ai toujours été impressionné par ta voix, justement. Et évidemment, le fait que tu viennes du classique, ça aide. Mais cette voix qui a une espèce d'ampleur absolument incroyable, qui pourrait presque être gênant pour écrire les mots. Comment est-ce que t'écris les mots? On parlait avec Claude de la manière dont il laisse souvent l'époque ou le temps s'infuser en lui, et puis à un moment, c'est maintenant qu'il doit cracher. C'est un truc d'émotion. J'ai une émotion qui est trop forte et j'ai besoin de libérer cette émotion. J'ai besoin aussi, quelque part, c'est drôle, il y a une petite fille qui m'a interviewée il n'y a pas longtemps pour un journal. C'était assez dingue et elle m'a posé une question extraordinaire. Elle m'a dit, pourquoi t'écris des chansons? Et je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et je lui ai dit, je crois que j'écris des chansons pour garder des photos de ma vie. Donc il y a vraiment ce truc-là, garder des photos, garder des émotions, des choses qui nous ont traversées comme ça, hyper fortes, et se dire que bah voilà, on va les déposer quelque part, et peut-être que ça va résonner avec d'autres gens, et peut-être que ça va créer des liens, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est matérialiser des choses qui nous traversent, et les exprimer, les partager en fait. Claude, pourquoi t'écris des chansons, toi? C'est une super question. Pourquoi j'écris des chansons? Certainement pour organiser ma pensée. Et puis lancer des messages quand même, des messages, des humeurs. C'est assez régulièrement ça, hein, quand je regarde. Ce sont des humeurs avec une traversée dans la ville ou dans ce que j'ai vu. C'est lancer des choses si possible positives. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chansons qui tendent vers des choses qui vont... Mais une fois qu'on sort de la salle ou qu'on enlève le casque, on a pris quelque chose de bon, je pense que c'est ça. J'évoque d'ailleurs ça dans un autre entretien qu'on a eu sur une chanson qui s'appelle Contine, qui conclut justement le nouvel album de Claude. Il y a ça aussi, le fait de faire une contine, puis finalement tu te laisses un peu emporter par l'actualité, par le monde grave, mais quand même, essayer de retirer quelque chose de tout ça. Oui, il y a... Bon, quand on presse, hein, la musique c'est une orange, hein, on presse, il y a du jus, et on se voit j'aime bien terminé par une espèce de pirouette pour dire que voilà, il y a le tableau, mais il faut voir le soleil, quoi. Bon, je crois que je vais faire de la poésie comme toi. En un mot, c'est j'écris pour voir le soleil. Non, c'est joli. Non, mais toi aussi, au fond, t'as écrit pour revoir le soleil avec cette peau neuve. Et au fond, c'est un album de résilience. Ouais, complètement. Et je pense qu'il a raison quand il dit que c'est pour voir la lumière, le soleil. Je pense qu'il y a vraiment une quête alchimique, quelque part, dans le fait de créer quelque chose, c'est-à-dire de transformer le plomb en or. Et il y a un morceau dans mon album qui s'appelle Un soleil dans le ventre. Et je dis, je transforme mes plaies en or. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est la quête, c'est comment réussir à transformer les choses et à se relier à la lumière, à l'amour et aux autres, quoi. Essayer de faire du bien dans ce monde, poétiser un peu ce monde, quoi. Quelle est l'importance, justement, parce que tous les deux, c'est un album itinérant où vous avez beaucoup bougé. Qu'est-ce que ça a changé dans la manière d'écrire, Claude? Pour ma part, c'est d'habitude on programme et puis on a un certain temps. Là, c'est le fait qu'on soit en concert et qu'on ait envie de faire des nouvelles choses. Qu'est-ce que ça change?
J'ai jamais autant fait de morceaux. D'habitude, j'en ai jamais un de plus. Là, la veille, on est en joie parce qu'on est en train de chanter. Donc le lendemain, on a des facilités pour aller en studio. On a de l'assurance parce qu'on a reçu de l'amour. Je crois que je vais peut-être toujours faire de façon itinérante parce que il n'y a pas la solitude du poète, quoi. Tu es là, tu es seul, tu hésites. Mais si tu prends des bonnes vibrations, que tu as quelque chose à faire dans les minutes qui après, je crois que ça coule tout seul. Et toi, Anna, l'itinérance ? Bah moi, c'était vraiment la totale solitude justement pendant 6 mois. Donc c'était vraiment. Toi, t'avais besoin de changer. J'avais besoin de ça. Comment on appelle ça ? De logiciel. Ouais, c'est ça exactement. J'avais besoin de changer de logiciel exactement. Et d'ailleurs, tout a changé. Tout le logiciel a changé. Et en fait, le fait justement d'être très loin, de pouvoir écrire exactement la nouvelle vie que je voulais. Ça m'a permis d'avoir un champ des possibles extraordinaire. Et donc, en fait, la création, enfin, la créativité est arrivée très vite parce que justement, je pouvais réécrire tout ce que je voulais. Je pouvais réinventer Anna, réinventer Nash, réinventer tout. Et donc, c'était hyper inspirant. L'album s'appelle Peau Neuve. Pareil, la tournée. Hein, 13 avril, c'est Lille, le Splendide. Ensuite, Beaune. Au mois de mai, on te verra à Rambouillet, à l'usine à chapeau. J'étais en train de regarder les endroits parce que je l'ai raté 2 fois à Paris. Je suis dégoûté. J'avais des émissions, j'ai pas pu venir. Donc, j'étais en train de chercher histoire de te voir avant l'Olympia quand même, parce que c'est dans longtemps. Il y a un Olympia qui est prévu le 18 mars 2025, mais entre temps, il y a Poupée, il y a les Franco de la Rochelle, il y a le Festival du Bout du Monde à Crozon. Rambouillet, c'est pas si loin que ça. Merci infiniment d'être venu. Merci. Anna Chédid. Nash, nouvel album formidable qui s'appelle Peau Neuve. Merci Anna, merci beaucoup. Le premier extrait de l'album Prose Combat, on est en 93, nouveau western, avec ce coup de génie qui consiste à reprendre Gainsbourg pour Bonnie and Clyde. Elle est venue comment, cette idée d'oser toucher au maître ? C'est une idée de Boom Bass. Ouais, qui était le producteur de l'album. Ouais. Ouais, qui était le producteur de l'album, l'un des 3 producteurs. Et j'avais un texte qui amenait dans le nouveau western, en gros. Ouais. Il a dit, prends ton temps, j'ai une idée. Je suis revenu quelques jours après, il avait cette boucle de Serge Gainsbourg. Ça, c'était parfait. La voix est entrée dans le gant et c'était parfait. Donc il faut toujours écouter les gens parce qu'ils disent, ils font pas ça pour rien. Et puis, il avait cette idée de donner une espèce de lettre de noblesse au son français, parce que quelques temps après, ils sont devenus la French Touch. Oui, bien sûr. Et c'est le matériel était japonais à l'époque. Mais avec ce matériel japonais, ils ont fait du son français qui a été international. Ouais, ouais, Boom Bass, hein, qui était le producteur historique avec Philippe Sdard des premiers albums de Claude M.C. Solar. Et ce clip vidéo, d'où vient cette idée géniale de mise en abîme de... Vous vous rappelez du clip vidéo Victoire de la musique quand même, hein. On rentrait dans les écrans comme ça. Ouais. Ça aussi, c'est un coup de génie. Ouais, ça c'est. Alors je suis très fier de dire que j'y suis pour rien. C'est Stéphane Sednaoui, ouais. Qui était un photographe et qui faisait des clips et qui a dit. Il faut vraiment que je fasse une idée. J'ai du mal à te l'expliquer, mais le résultat sera quelque chose. Et pour nous, c'était une révolution dans l'image. On se laissait prendre. On est parti, et puis il tenait à ce que ce soit réel. Donc on est parti en Arizona. Après, on parle de ça. On est parti à New York. Après, on est parti à Paris 18e. Après, on est parti partout. Il y tenait, il voulait quelque chose d'authentique dedans, avec sa prouesse technique. C'est marrant, ça fait 2 fois dans la journée que j'entends parler de Sednaoui. Sednaoui, donc, qui est un fabricant de clips, un photographe de super talent. Et j'ai appris aujourd'hui que c'est lui qui avait été le go-between entre Mirwais, donc ex-Taxi Girl, et une certaine Madonna. Et Madonna. Ouais, c'est lui qui a présenté la musique de Mirwais à Madonna. Il y a un truc avec les premiers singles, généralement, toi. Ça, c'est le premier single de Prose Combat. Et la chanson qui vient maintenant, c'est aussi un premier single. Et c'est une énorme chanson. Généralement, t'attaques toujours avec un gros titre. Là, on est sur l'album Chapitre 7. Quand t'arrives avec cette chanson qui s'appelle Da Vinci Claude, t'as envie d'expliquer que t'es de retour ? Oui. Parce que techniquement, celle-là, elle est compliquée. Ouais, Da Vinci Claude, ouais. On était dans la période où il y avait beaucoup de théories du complot, des machins, et on se dit, on va on va guérir les gens, et voilà, c'est le Da Vinci Claude. Ça ressemble un peu à une sorte de rock mélangé à du rap. Mais surtout techniquement, c'est hyper dur. Oui, en forgeant, on devient forgeon. Qu'est-ce que t'en penses, Bambi? C'est pareil, c'est dur pour tout le monde. Ouais, c'est dur pour tout le monde, là. Je suis obligé de le suivre à fond, quoi. Je cours, je galope. Pardon, j'ai l'air relou avec mes questions, mais comment ça sort, ça?
Ah, comment ça sort? Mais ouais, on est tous épatés de cette poésie. D'ailleurs, il est tellement doué en poésie. Vous avez vu ce film qu'il a fait, hein, pour la défense de la langue française, qui a été tourné à l'Académie française, c'est magnifique. Ouais, ouais. Non, franchement, félicitations. Mais comment ça sort? Ça sort que on est dans les années, dans ces années-là, c'est des anciennes années où il y avait beaucoup de théories du complot, de controverses, et puis il y avait eu la sortie du livre, le Da Vinci Code. Oui, bien sûr, donc, Dan Brown. Qui était en train de Et alors j'ai dit, mais allez, on va s'inspirer et prendre tout à rebours, parce que effectivement tout est faux là-dedans. Et pour avoir cette énergie, on nous a proposé une production qui ressemblait un peu à ce que j'écoutais quelquefois, du rock alternatif ou un peu rock. Donc je me prends un peu pour un rocker avec un c'est de la grande rigolade, quoi. Ouais, mais c'est tellement bien gaulé, vraiment. Quels sont les... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des paires d'écriture pour toi, Claude? Alors, est-ce que tu te prends ça dans la poésie classique? Est-ce que tu prends... Alors, on a souvent cité Gainsbourg, évidemment, mais c'est quoi les paires d'écriture? Je verrais Gainsbourg, Leonard Cohen, ouais. La façon dont il écrit et dont il parle, ça avance bien. Il y a quelques Américains, dont un qui s'appelle Big Daddy Kane, qui est un entertainer, qui est en même temps il est sérieux, il a aussi de l'élégance et un super flow. C'est un rappeur américain de Brooklyn que j'ai vachement aimé parce qu'il avait ses quatre aspects. Ouais. Et puis un groupe belge pour me faire prendre un peu de recul qui s'appelle Stella, S-2-T-E-3-L-A, qui me permet de prendre du recul et de pas me prendre trop au sérieux quelquefois. Oui, ou trop premier degré, parce que j'ai l'impression que t'es jamais premier degré, ce qui est un peu parfois ce qu'on peut reprocher au rap d'aujourd'hui. Tu vois, d'être en frontal tout le temps, ce qui est pas ton cas. Ouais. Moi, j'ai choisi d'être l'avocat, en fait, l'avocat ou l'alternative. Ouais. Le fait de prendre ce chemin fait qu'on peut pas généraliser. Et je me rappelle que très très régulièrement, quand j'avais des groupes à côté de moi au studio, il fallait qu'on ait des différences pour pas qu'on juge le même livre, quoi. Oui, je comprends. Et puis en fait, ça te donne une liberté. Mais de temps en temps, j'aimais bien être frontal, mais je mets toujours un doigt pour troubler un petit peu. Est-ce que, je sais pas si c'est à toi de le dire. Tactique, quoi. Oui, ça j'ai compris, mais est-ce que c'est peut-être pas à toi de le dire, mais est-ce qu'il existe des héritiers, des gens qui ont utilisé tes techniques et ta tactique de rappeur et de style? Est-ce que t'en vois? Alors, Personne la moins bien placée pour en parler. Je suis la moins bien placée, mais il y a beaucoup de gens, quand je les aime bien, c'est parce que j'ai dit « Oh zut, j'aurais bien aimé le faire ». Alors là, je vais en citer plein que j'aurais bien aimé faire. Ouais. Récemment, il y a eu les Big Flo et Oli. J'aime bien tout le travail qu'a fait Orelsan, de sociologue d'une génération qui va chercher des choses. Je me dis, j'aurais bien aimé le faire. Un jour, j'ai entendu une chanson d'Alain Souchon qui était « Oh, non, pas toi, j'aurais bien aimé le faire ». J'adore. Et alors moi, ce que j'aime, c'est quand ça parle un petit peu de la vie des gens et avec ça, j'adore. Et avec un style. Alors là, bon, il y en a plein que j'aime. Le plus important, c'est le style. Non, on a le fond, évidemment, mais une fois qu'on a le fond, c'est important, le style. Ouais, le style est important parce que c'est jubilatoire, ça reste. Quelquefois, les silences sont super importants. On peut tous appeler, par exemple, une IA qui va faire un texte. C'est-à-dire... Ou présenter une émission. si on demande à une IA d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Elles vont toutes écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la façon dont certains vont le dire, ça fera la différence. Ne me quitte pas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, c'est fort. Bah, une fois de plus, tu nous emmènes dans des références culturelles. Aujourd'hui, tes textes sont étudiés à l'école. Ça, c'est chouette. Et puis, ce texte en l'honneur de la langue française, de la francophonie, filmé sous la coupole de l'Institut de France, lieu emblématique où tu as été récompensé par l'Académie française en 1998 de la médaille de Vermeil pour l'ensemble de tes chants poétiques. C'est cool, c'est la classe. Et c'est leur retour de cadeau que tu faisais en faisant ce petit film. Vous l'avez vu, hein, ce film sur
sur la franco, sur la francophonie, sur la langue française. C'est chouette d'avoir fait ça. Ouais, c'est pour moi ça a été vraiment un grand honneur. J'avais pas pu recevoir ma médaille en 1998. Mais non. Parce que j'étais, je sais pas, en Angleterre ou je ne sais pas. Donc et puis quelques années plus tard, au même endroit, ça revient. Et puis j'ai persévéré. On appelait ça chant poétique, on l'appelait pas rap à l'époque. Et puis maintenant, il y a plein de gens qui font des belles chansons qu'on va appeler rap, mais qui sont aussi poétiques. Je trouve que c'est, ils étaient très très avant-gardistes en 1998 d'avoir jaugé que beaucoup de gens étaient des écrivains de mots, quoi, qui faisaient vivre la langue française. Mais ça va t'aller super bien, le costard vert. Ah, il faut l'épée, tu mets pas un cure-dent, comme tu m'as dit déjà. Non, mais qu'est-ce qu'il faut comme chaussure? Alors, le triptyque, la première partie, Lueur Céleste, est déjà disponible. 7 chansons. La tournée se poursuit. Est-ce que tu vas quand même t'autoriser à écrire encore des chansons? Parce que je t'en ai déjà beaucoup pour les prochains albums. Et tu t'en écris encore? Parce que pendant que la tournée continue? Oui, c'est pendant que la tournée continue, c'est une autre vibration. Donc on va prendre des nouvelles vibes, c'est toujours au pluriel, la vibes. Et comme on vit quelque chose de positif, chaque fois que j'aurai un créneau pour aller dans un studio, je crois que je vais y aller. Peut-être que l'année bissextile, qui est cette année, est une année de surcréativité, mais j'ai envie d'enregistrer. Moi, je crois pas que ce soit surcréativité. Et surtout, je crois pas que tu sois paresseux. Parce que c'est ce que tu veux laisser croire à tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression que tu respires un peu l'air du temps, et puis à un moment, ça sort. Ça marche comme ça, ou je me trompe? Non, je crois que t'as raison. Il y a de ça. Tu vois, de prendre son temps. J'entends des nages tout à l'heure. Ouais. Et je me suis vu aussi, dans sa façon de partir loin, ouais, qui a fait accélérer. Je crois que quand on a envie de faire de la musique, on prend tout l'environnement et après on est ouais, c'est vrai, je prends vraiment beaucoup de recul. Hein. Une fois je me suis retourné, j'ai vu que j'étais loin. C'est pour ça. Non mais c'est pour ça que ça fait 7 ans, mais là c'est vraiment du plaisir. On a déjà le deuxième volume qui est prêt. Ouais. Et nous avons envie d'en ajouter. Mais est-ce que ce sera un truc, parce que je me disais un triptyque, c'est pas sûr, c'est peut-être un truc saisonnier, il y aura peut-être un par saison, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Si on calcule, le printemps c'était il y a 3 jours, le prochain va être à peu près dans 3 mois, peut-être qu'on est dans les saisons. Ah, tu vois, ouais, c'est ça. Rendez-vous à partir du 17 avril sur scène, Biarritz, Poitiers, Rennes, Luxembourg. Le concert du 21 juillet avec IAM, les copains d'IAM, hein, ouais, aux arènes, c'est chouette de les retrouver, aux arènes de Bayonne. Et puis on te verra, alors pour les Parisiens, 21, 22, 23, 24 novembre à la salle Playel à Paris. Alors, la chanson que tu vas nous faire pour terminer cette émission, hélas, c'est une chanson qui t'a installé. Parce qu'on avait Bouge de là, on s'est dit waouh, c'est cool. Et puis est arrivée Caroline. Ouais. Tu t'es rendu compte qu'il se passait, que c'est le genre de chanson qui te fait passer un cap? Pas tout de suite, hein. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui prenaient un extrait, alors ou l'as de trèfle qui pique ton cœur, ou je suis passé pour être plaisant dans ton futur, ou j'ai une peur bleue, je suis poursuivi par la mer rouge, pour toi j'ai pris des billets verts, et voilà, petit à petit je voyais que chacun avait pris un extrait de quelque chose, et donc ça veut dire que puis il y a ce ton là qui ça avance. Veut dire que t'as envoyé du message et que c'est rentré dans la tête des gens de manière un peu définitive, c'est cool, non? Ouais, c'est super bien. Parce qu'elle est chantable encore en 2024. C'était le grand studio RTL de l'incroyable M6 Solar. Mesurons la chance que nous avons d'avoir des artistes comme lui et d'avoir un homme comme lui dans la chanson en français, dans le texte, en beau français. Merci infiniment, Claude Godelin. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous sur scène à partir du 17 avril, Biarritz, etc., etc. Pour les Parisiens, Playel, 21, 22, 23, 24 novembre. Entre-temps, partout en France. Merci, Claude. Merci infiniment. Merci. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain, 10h15 sur RTL pour Stop ou Encore. Merci d'être là.